Kikou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram qui est juste ici. Et si ça vous dit, venez nous rejoindre sur le Discord qui est juste là. Bon, cette fois, je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour faire partir un habitant. Le premier qui a la bulle, il s'en va, vous pouvez le récupérer demain si tout va bien et en espérant que ce soit pas un que je voudrais garder. Donc il y a Rosalie, Nadine et Léa que je pourrais voir partir, les autres ça m'embêterait énormément. On se retrouve avec Panda juste ici, là, voilà. Et c'est parti, let's go. Alors, on espère que quelqu'un va partir. Donc, GTT, je suis revenue à la bonne date. Bon, Nadine, c'était la dernière arrivée. Elle est chez elle. J'ai pris des petits cadeaux juste ici. Pour leur en offrir. Alors, on a Bouloche qui est juste là. Donc, on va lui offrir un petit cadeau. Léa, c'est pas elle, elle est en train de lire un livre, donc bah voilà, on sait déjà que c'est pas Léa, donc c'est pas Léa, c'est pas Nadine, il me reste plus que Rosalie à prier pour que ça tombe dessus. Si c'est Miro, on t'était d'une journée parce que hors de question que Miro s'en aille, lui il ne fait pas partie de la liste, il part pas lui, il est intégré dans le jeu, dans mon jeu à moi, il ne part pas, voilà. Donc Miro n'est pas chez lui, donc c'est peut-être Miro. En général, ils sont soit sur la place de la mairie, soit autour de leur maison. Je les vois rarement ailleurs. Enfin, si, après, ils se baladent partout, mais c'est là que je les trouve le plus facilement. On espère que... Bon, c'est pas Terra. Terra est chez elle. Rosalie, est-ce que Rosalie... Rosalie n'est pas chez elle. Ça pourrait être Rosalie. J'aimerais beaucoup que ce soit Rosalie parce que je l'ai eu en aléatoire et honnêtement, j'ai pas l'intention de la garder. Elle ne va pas du tout dans le thème, même si je l'adore. Je la trouve vraiment très jolie. Oh, regardez-moi ça. J'espère qu'elle va pas me donner quelque chose. Oh là, ce serait merveilleux. Oui, mais c'est fantastique. Oh là là, la chance. Oh là là, j'ai vraiment de la chance. Alors, j'ai pas sa photo, mais j'en ai pas besoin parce que Rosalie, je l'ai déjà eu sur mon île. J'ai déjà eu sa photo. Donc je lui ai pas offert de cadeau, elle s'en va, donc j'ai le temps d'avoir les photos des autres en attendant, parce que j'aimerais vraiment réussir à avoir la photo de tout le monde. Oh là là, je suis trop contente. Donc voilà, l'habitant que vous pourrez avoir demain pendant le live, en début de live, ne l'oubliez pas, c'est tout au début, à 19h30, le live commence, jusqu'à 35-40 à peu près, je fais partir Rosalie, si personne ne la veut. Je t'étais d'une journée et après, directement, on passe à l'habitant, on passe à la chasse à l'habitant. Donc cette vidéo va être très courte, c'est le but, hein, c'est pas un short, mais c'est le but. Le but étant de faire partir quelqu'un avec vous, que vous voyez que, voilà, le premier qui a la bulle, je le fais partir. C'est le cas, voilà, j'ai fait partir Rosalie. J'ai eu de la chance, honnêtement, ça aurait été Bouloche, Choco, Molly, Alix, Terra. Enfin, ça m'aurait vraiment embêté. Bouloche, parce que j'ai pas encore sa photo, en plus, il n'était pas chez lui. Et que j'ai pas fait son coin. Choco et Molly, pareil, j'ai pas fait leur coin. Je l'ai préparé, le coin japonais, mais je ne l'ai pas fait. Sylvette, j'ai encore pas eu sa photo. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer d'aller à la chasse à la photo à Sylvette, parce que c'est une des premières que j'ai eues. Et du coup, je pense qu'elle va pas tarder à me la donner. Donc on va quand même aller à la chasse aux photos. Quand même, histoire que cette vidéo ne dure pas que 3 minutes. Alors, vas-y, petite Sylvette. Un crâne de Brontotherium. Voilà, j'offre des crânes à mes habitants, des squelettes et des crânes plus particulièrement. Parce que ça va plus vite à ce qui paraît pour avoir les photos. Ah, j'ai gagné des Miles Snook. Ah, il fallait parler à 3 habitants. Ok, c'est fait. Alix est chez lui, on va aller voir si jamais il n'a pas une petite recette. Donc là c'est un court let's play. Normalement je pensais que j'allais mettre plus de temps pour avoir un habitant qui partait. Ça a été ultra rapide, donc là on va se faire un espèce de petit let's play. Fantastique. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Galette de pommes de terre, ok, je crois que je ne l'ai pas. Ah, je veux bien la recette, petite Alix. Oh là là, il est trop chou. J'ai pas trop envie de le voir partir lui, hein. Ça va m'embêter quand il va partir, un truc de fou. Ah si, je connais déjà la recette. Bon, bah tant pis. Par contre, sa maison, en fait, elle est plutôt belle. Hein. On a plutôt bien réussi, je pense.
Elle est plutôt pas mal. Bref, allez, on va essayer d'aller à la chasse. Donc, il nous reste Bouloche. Terra est chez elle. On peut peut-être aller lui offrir un cadeau parce que Terra, je devrais bientôt avoir sa photo. Normalement, c'est pareil, Terra, je l'ai eu assez tôt. Donc, Hugo m'a offert la photo de Terra, mais moi, j'aimerais l'avoir par mes propres moyens. On a Nadine aussi à offrir un cadeau. Alors, attendez, moi, il me reste combien de cadeaux? Il me reste Terra, il faudra qu'on deux. fasse sa maison, mais sa maison, honnêtement, elle n'a pas besoin d'être faite. Parce qu'elle est trop belle. Alors, tiens, petite Terra. Est-ce que tu me donnerais pas ta photo? Non, un t-shirt de sport. Bon, c'est pas grave. Enfin, elle est trop belle, mais alors, par contre, là, sur le mini frigo, la vaisselle sale, c'est pas oufissime. Mais honnêtement, j'aime beaucoup sa maison. Bureau de gaming, la télé avec la Switch. Rah, elle est vraiment stylée la maison de Terra. Bon, on va aller offrir une fo le fossile à Nadine. Mais je suis super contente, j'ai eu beaucoup de chance. J'espère la prochaine fois que ce sera Léa ou Nadine, ce serait parfait. Bah, Léa, elle a bougé de place, mais elle est encore assise. Ah, bah, on va offrir à Bouloche en premier. Hop, on papote. Ah, mais je lui ai déjà offert. Alors, petite Nadine. Oh, elle a la photo de sa sœur Christine. C'est la première fois que je rentre chez Nadine. Je suis pas une grande fan de Nadine. Autant Christine, je la trouve un peu kawaii, ça passe. Mais Nadine, avec ses yeux un peu endormis, je suis pas très fan. Bon, voilà, Nadine, ça doit faire à peu près 5 jours que je lui offre des cadeaux. Donc, il va m'en falloir encore un petit peu, à peu près une dizaine de jours avant qu'elle commence à vouloir me donner sa photo. Je crois qu'il faut 15 jours minimum de cadeaux avant qu'il commence à éventuellement donner la photo. Oh, mais c'est trop chou qu'elle ait sa sœur en photo. Je suis pas très fan des sœurs, mais j'avoue que ça peut être sympa d'avoir les deux sur l'île. Donc écoutez, voilà, hein, pour ce petit let's play, je pense que j'ai offert une photo à tout le monde. Du coup, une photo à tout le monde, non, un fossile à tout le monde. Sylvette, oui. Terra, oui. Bouloche, oui. Alix, oui. Rosalie, non, parce qu'elle s'en va. Nadine, oui. Et ceux-là, j'ai déjà leur photo, donc non. Et ben voilà, bah écoutez, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc n'oubliez pas, demain, rendez-vous 19h30 pour un live chasse à l'habitant. Vous avez jusqu'à à peu près 19h35, 19h40 pour venir et récupérer. Votre parcelle devra déjà être libre. S'il y a des gens qui sont intéressés, je mettrai le dodo code. Mais attention, ce sera le premier arrivé, premier servi, parce que je ne peux pas contrôler. Malheureusement, donc même si vous me dites moi ça m'intéresse en premier, mais qu'il y a quelqu'un qui arrive avant vous, je suis désolée, je ne peux rien faire. Voilà, je préfère vous le dire maintenant. Donc si elle vous intéresse, libérez une parcelle, soyez présent pile poil à l'heure, Panda arrête de pleurer, et essayez de venir le premier sur l'île pour pouvoir récupérer Rosalie. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis à demain pour une chasse à l'habitant. Bisous bisous! Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper et à mettre un petit pouce bleu. Venez également me rejoindre sur Instagram si ça vous dit et le Discord est juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!